Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette méditation qui était annoncée sur la page. Alors, pour éviter tous les tralala potes que nous avons sur les réseaux sociaux, vous l'avez compris, je vous ai enregistré cette méditation. Elle sera publiée évidemment sur la chaîne YouTube et rapatriée sur Facebook puisque je n'arrive plus à publier de vidéos qui m'appartiennent, mais c'est sans compter ma détermination. Alors, je vous propose de vous installer confortablement pour pouvoir partir dans cette méditation où nous allons défaire nos chaînes, mais également co-créer en conscience la suite de notre humanité. Alors, ne soyez pas étonnés, vous allez vous rendre compte que la musique sera peut-être plus dominante que ma voix. Ce qui compte, c'est de suivre le tempo. C'est un petit peu ce qu'on m'a donné aujourd'hui, donc faisons confiance à l'univers et voyons un petit peu ce que vous en pensez de cette méditation. Vous n'hésiterez pas, comme d'habitude, je vous remercie, à noter ce que vous ressentez en commentaire sous cette publication. Allez, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et laissez-vous guider. Installez-vous confortablement. Détendez toutes les zones de votre corps. Lentement, progressivement, que chaque partie du corps puisse prendre cet instant et ressentir ô combien il est bon et agréable de se laisser glisser hors de toute tension. S'exprimer nos émotions, nos sensations. Vous n'avez rien à faire, simplement suivre le rythme et accueillir comme vous le souhaitez. Sans peur ni jugement. Alors, vous êtes prêt et prête à lâcher le corps, lâcher la matière et laisser poser là votre corps paisiblement, confortablement installé. N'utilisez que vos perceptions, que vos sensations pour sortir progressivement de ce corps. Acceptez de sortir de la terre, de la matière, de cette matrice. Flotter là, dans l'univers, complètement protégé, accompagné, car il s'agit maintenant, en conscience, de libérer toutes les chaînes qui vous entravent, tous les blocages énergétiques. Souscrit, consenti ou subi. Alors laissez votre être de lumière apparaître. Tout ce qui bloque, tout ce qui limite votre rayonnement personnel et décidez maintenant de couper tout cela. Votre légèreté, car il est décidé que plus aucune chaîne posée là ne pourra ralentir, retenir ce qui doit être dans votre devenir. Découvrir que cette libération permet d'activer tous
vos potentiels de co-création par le plexus solaire. Laissez votre essence divine se manifester par une flamme qui grandit, grandit encore, encore plus, et tournoie complètement comme une boule de feu là, dans le plexus solaire. Et maintenant, vous allez pouvoir illuminer, irradier l'univers tout entier, vous unir au grand tout et oser vous répandre, vous reconnecter tout simplement à la conscience créatrice reliée à la source, source d'amour et de lumière uniquement. Profitez, rayonnez, et en conscience vous pouvez, en illuminant cet univers, regarder la Terre, y mettre le meilleur de vos intentions d'amour et de lumière pour cette humanité en souffrance qui ne demande une libération afin de vivre dans le bonheur, la joie, le partage et la bienveillance du bien commun. Comprenez votre puissance individuelle, votre rayonnement sans limite et votre immense pouvoir de création. Votre essence divine vous permet à l'infini et sans limite de choisir, de contribuer à la libération des consciences, des êtres et des âmes pour qu'enfin l'humanité puisse exister. Alors, vivez simplement ce moment de votre être multidimensionnel qui se répand aux quatre vents et ressentez la fusion et l'union que vous pouvez avoir sans limite. Reprenez votre pouvoir créateur. Laissez ce feu ardent là, dans la poitrine, exister. Il est la clé du sursaut, du réveil. Alors, chérissez-le. Et rappelez-vous ô combien vous n'êtes pas seul dans l'univers, car vous allez maintenant pouvoir ressentir, voir des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'êtres de lumière qui viennent là, à vos côtés, pour communier solennel au bénéfice du plus grand nombre, car nous sommes tous reliés et l'humanité a besoin d'amour partagé. Alors savourez ce moment. Rayonner sans limite. Allez où votre corps et votre cœur vous portent.
et déverser vos intentions, votre création pour le devenir. Êtres incarnés qui travaillent à l'équilibre, au pouvoir créateur, ressentez l'union des cœurs et des âmes et profitez de ce moment pour comprendre ce que vous ressentez. Redescendre progressivement dans la matière et dans le corps et revenez à votre rythme. Vous pouvez progressivement bouger vos mains, vos pieds, votre nuque. Inspirez et soufflez. Progressivement, agréablement, pour revenir de cet état de béatitude et de communion collective. Et vous pouvez revenir complètement et ne repartir qu'avec ce qui vous appartient. Quelques instants pour laisser s'inscrire au fond de vous ce que vous venez de vivre comme expérience intérieure. Et rappelez-vous que tout un chacun est utile, que personne supérieur ou inférieur à quiconque. Toutes ces illusions, tous ces mensonges, c'est terminé. Chacun reprend son pouvoir divin. Chacun utilise sa conscience au bénéfice du bien commun. Alors merci d'avoir contribué à ce moment partagé et je vous dis à très bientôt.